dans ce flacon une substance qui est plus précieuse que l'or, les diamants ou le pétrole du monde réuni. Cette substance, les Anglais l'appellent, un nom un peu barbare, l'acide hyaluronique. L'apocalypse, c'est l'explosion de la mémoire génétique incarnée dans cette structure miraculeuse qui est l'acide désoxyribonucléique. Toi, tu vas retrouver ta snipeuse préférée. Moi, je rentre à la maison. Je sécurise le tout et je te rejoins le plus rapidement possible au lac. Quand vous êtes en charge de fermer à double tour votre repère pendant que vos amis se battent contre des DG, on peut dire qu'il y a de sacrés avantages. L'un des plus agréables est de ne pas avoir à partager l'eau chaude de la baignoire. Cela doit bien faire plus d'une heure que j'y suis installé confortablement, écoutant à fond un des vinyles d'Oliver. Ajoutez des chips et un paquet de clopes, et vous faites de moi le plus heureux des hommes. C'est trop le pied. Ce n'est pas toujours les mêmes qui peuvent profiter des virées dans la nature pour se baigner. À l'heure qu'il est, je suis sûr qu'Oliver a retrouvé Eva et qu'il patauge gaiement dans leur fameux lac au lotus. Faudrait que j'y aille un jour. Remarquez, quitte à partir en excursion plusieurs jours, s'il y a une chose que j'aimerais plus que tout, c'est revoir la mer. J'y habitais avant la guerre nétique. Depuis, on y allait deux fois avec Eva et Oliver. C'est l'endroit que je préfère. Les plages n'ont pas vraiment changé depuis mon enfance. Et au lieu d'un bon bain dans les vagues, je me retrouve à clapoter dans cette baignoire trop petite avec un canard en plastique pour seul compagnon. Allô, canard ? Ici Lee, répondez ! On est en train de perdre le canard ! Oh putain, je devais contacter Oliver ! Oh, j'ai zappé ! Oh putain, putain, putain ! Mais quel sac ! Allô, allô, ici la Terre ! Allô, j'appelle Fusée Lunaire, Eva, Oliver ! Vous en êtes où, les amigos ? Eva, Oliver, répondez, putain! Ne dis pas qu'il a encore éteint sa go!